7 mois, on le disait, 7 mois que vous n'aviez pas gagné ici à la Mosson. Elle fait du bien, celle-ci. Ah oui, surtout contre une bonne équipe de Nice. Je pense qu'on a mérité. On a fait une très bonne première mi-temps. On appréciait beaucoup. On a parlé entre nous qu'il fallait les chercher pour ne pas laisser sortir le ballon. On a fait un premier mi-temps, un deuxième mi-temps, il y a un peu plus de fatigue. À la fin, on a subi un peu, mais le plus important, c'est que c'est ça, on a les 3 points. Oui, parce qu'il y a les 3 points, mais c'est vrai, vous le disiez, il y a la façon dont vous l'avez construite aussi, cette victoire. En première mi-temps, vous avez poussé, vous avez géré ensuite. Ah oui, surtout ça. Après, on savait que c'est une équipe de beaucoup de qualité. Avec un jeu avec Balotelli, qui il y a une déviation à sa maximum. Donc nous, derrière, on était attentifs là-dessus. Après, on a essayé de créer des occasions, tout ça. On est content parce que là, on a gagné à la maison. Et surtout, vous avez bien préparé le prochain match ici à la Mosson, le derby face à Nîmes. Oui, mais on a un petit match à mercredi contre Caen, donc on va se préparer pour Caen déjà. Et après le derby, on sait que le derby va arriver, on va être prêt. Vous avez perdu 2 points face à Strasbourg dans les arrêts de jeu avec cette victoire. Montpellier arrive quasiment sur le podium. Il y a des ambitions du côté de Montpellier ? Nous, on pense finir dans les 10 premiers. Après, si on peut gratter une place européenne à la fin de saison, mais c'est trop tôt encore.